Comme ça, la caméra, c'est à peu près à 3-4 mètres. 3-4 mètres? Ah oui, 3-4 mètres. Ouais, tu peux pas plus haut? Bah si, on peut monter. Non, mais comme ça, t'es vraiment en plongée totale. Ah, on sera en plongée totale sur là, toute la scène. C'est total. Ouais. Total. Ouais. D'accord. Non, okay. Ça peut être intéressant. Hé, hey, salut, ça va? C'est salut. Qui eux? C'est une équipe de making-of pour la leçon de cinéma. Ils sont pas un peu. Ouais, qu'est-ce que tu fais? On remet ta caméra à l'horizontale. Hein? Parce que les plans inclinés ou débulés, comme on dit, on s'en sert pour les clips vidéo, mais au cinéma, c'est très rare. Hein. Ouais. Tiens, top. Attends, je t'aide. Tac. Voilà. Merci. Aujourd'hui, dans les leçons de cinéma, nous allons parler d'angle de prise de vue. Et vous allez voir qu'il y a de grands enjeux dans le choix du placement de la caméra. Tiens, Nico, tu viens avec moi, on va monter là-haut. On monte. Et on leur monte. On monte, on monte. Tiens. Alors, je te... Tiens. La question, c'est à quelle hauteur on place la caméra par rapport à ce que l'on filme et pour raconter quoi? Et vice-versa. Vous allez comprendre. Vas-y, filme-les. Les deux, hein. Ils ont l'air tout petits. Ouais. Quel point de vue minuscule, rabougri, tout frêle, tout faible, tout frêle. Il vient de faire son baptême de plongée. Car quand la caméra est placée au-dessus, on appelle ça une plongée. Ce qui donne une impression que le sujet filmé est en infériorité, écrasé. Et maintenant, au contraire, lorsque l'on place la caméra en dessous de ce que l'on filme, on appelle ça une... Une apnée. Ouais. Ouais, mais non. Une contre-plongée. Ce qui donne au sujet filmé un air dominant, supérieur, remarquable, puissant et accessoirement fait ressortir les défauts. Allez, on part en tournage. La plongée contre plongée, voilà comment ça marche. C'est bon ? On est en place, on se met en place, un petit raccord make-up. Donc dans cette scène de ma prochaine comédie, je vais utiliser plongée et contre plongée pour mettre en exergue les jeux de pouvoir entre mes personnages. Donc nous avons mis cette caméra sur une grue de manière à varier la hauteur en plongée quand elle est là-haut et en contre-plongée quand elle se trouve en bas. Alors, moteur demandé. Ça tourne, est-ce qu'on peut enlever l'équipe making of qui est dans le champ, s'il vous plaît? Alors, l'équipe making of, s'il vous plaît, vous faites tout petit. Voilà. Silence. Action. Noémie. Noémie. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez? Je fais du travail. C'est mon travail de travailler. Donc je fais du travail. Je comprends rien à ce que vous racontez. Parlez plus fort. Je fais du travail. Du travail. Ah ben voilà, vous voulez du travail. Très bien, je vais vous en donner. Il me faut l'analyse du cabinet Fish and Chips. Ah oui, mais alors vous m'avez déjà demandé celle de Flanagan. Noémie, ne rechignez pas la tâche. Vous avez beaucoup de chance d'avoir autant de boulot. Vous savez ce que c'est ça? Quoi? La longue file d'attente des jeunes femmes inexpérimentées dans votre genre qui voudraient bien votre poste. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, monsieur Carson. Et puis rangez-moi ce bureau, là. Hein? Oh. Excusez-moi, monsieur Carson. Quoi encore? Votre costume. Hé, hey, costume italien, sur mesure. Rome, autre chose? Votre costume, vous feriez peut-être bien de le porter en entier, non? Oh merde. Enfin, je veux dire, zut. Pourtant, ce matin, je me suis dit, Robert, tu n'oublies rien. Et je me suis répondu, non, je n'oublie rien du tout. T'es-tu, alors que j'avais oublié quelque chose, bien sûr. Merci, Noémie. Merci, madame Chamberlain. Oui, elle aussi, on va la remercier. Vous disposez. Fermez la porte, s'il vous plaît. Allez. Et coupé. C'était beau. C'est coupé. Ah. C'était vraiment très... C'est vrai? Très fort, ouais, ouais, vraiment. Tant mieux. Vous avez vu cette alternance de soumission-domination? Plongée contre plongée. C'est une métaphore de la vie. Un jour, on est fort, solide, et le lendemain, on n'est rien, vidé, inexistant. Et il n'y a que le cinéma pour nous faire vivre de telles émotions. C'est beau, hein? Moi, c'est... ça m'aime mieux. À bientôt pour une prochaine leçon de cinéma. Manger.
J'essaie de faire en sorte que son regard descende les deux. Pardon. Non, alors attends.